Et en fait, les seuls ufologues qui ont du mal à faire passer le message, c'est les ufologues qui étudient ça avec ouverture d'esprit, qui disent, bah, au fond, sur la Terre, il y a du bon et du mauvais. Au fond, chez les extraterrestres, il y a du bon et du mauvais. Et qu'on est manipulé par des forces étrangères qui est là depuis des millénaires et des millénaires. C'est les ufologues qui ont, comme par hasard, le plus de mal à avancer. Oui, parce que ça aussi, voilà, comme tu dis, des millénaires, parce que les observations extraterrestres, on en voit depuis l'Antiquité, depuis Depuis avant. l'Antiquité, ils sont là depuis des millénaires et des millénaires, depuis l'époque de l'Atlantide, où l'Atlantide, c'est symbolique, où on a consenti à ces entités sans âme. L'Atlantide, ce serait quoi une société Alors pour moi, l'Atlantide, c'est plus symbolique. Pour moi, ce que j'appelle Atlantide, c'est cette société où on était en harmonie, où on créait par la pensée, où on était à la fois très connecté à la source tout en ayant notre individualité, où on ne mourait pas, où on changeait de corps comme on changeait de chemise et tout ça. C'est la société d'avant la chute, d'avant le consentement aux entités reptiliennes, aux entités sans âme. Alors justement, la première forme de contrôle mental, parce que on va quand même arriver au sujet, c'est de croire que cette matrice est une création divine. Cette matrice n'est pas une création divine, cette matrice, c'est une création d'un imposteur, c'est une fausse création. La deuxième forme de contrôle mental, c'est de croire que ce monde est un monde réel, que le monde est physique, que le monde est réel, que le monde est concret. Alors la science commence à montrer que ce monde, qu'on est dans une illusion, en fait, littéralement, on est prisonnier d'une illusion. Alors, je suis en train de taper sur cette table. Ah ben, elle est bien là, pour... Elle est bien là, mais si on regardait au microscope, on s'apercevrait que chaque atome serait constitué d'un noyau avec un électron qui serait tellement loin du noyau à l'échelle que la table serait du vide. Par exemple, il y a une expérience qui est faite pour les enfants, qui est dans un livre de physique pour enfants, qui dit que si on placerait un ballon de foot à Notre-Dame de Paris, ça serait le noyau de l'atome, l'électron serait à 20 km, donc tout le reste c'est du vide. Et c'est notre cerveau qui crée cette apparente matérialité. Le photon, la particule élémentaire, je simplifie. Alors je sais que je vais faire hurler les gens qui ont une formation de physique, mais j'essaye de simplifier au maximum. Les photons, les particules élémentaires, quand il n'y a pas d'observateur présent, ils se comportent comme une onde. Quand il y a un observateur qui est présent, il se comporte comme une particule. Idem pour l'électron. Donc en gros, par notre perception, on donne la solidité aux choses. Le temps aussi, c'est une illusion, puisqu'il y a des technologies de voyage dans le temps. Le temps, c'est plastique, on peut voyager dans le temps, notamment avec le projet Montauk, ça c'est encore une autre histoire. Et un truc très terre à terre pour montrer que le temps est une illusion, si la présentation que je fais vous ennuie, le temps passe très lentement. Si la présentation vous plaît, le temps passe très vite. Tout simplement ça, quand on s'ennuie, ça passe très lentement. Oui, c'est vrai. On est littéralement dans le monde de l'illusion. Ça, c'est vraiment la chose à savoir. Même il y a des expériences qui montrent que l'univers, en fait, ne serait même pas aussi grand qu'on le dit, que quand on passe d'une planète à une autre, on passe d'une dimension à une autre, et qu'en fait, quand on dépasse la vitesse de la lumière, on passe dans une autre dimension de la matrice qui permet le voyage interplanétaire instantané. Donc, on est dans le monde de l'illusion. C'est la deuxième chose, la deuxième forme de contrôle mental, c'est de dire que cette illusion est solide. Et l'illusion, elle est partout, selon toi. Elle est partout. Elle est partout. Il y a une seule chose qui n'est pas illusion, c'est la conscience et l'amour. Et le vrai amour, parce qu'il y a le faux amour, l'amour de la matrice, et le vrai amour qui est au-delà de tout. Et la conscience, quand on est vraiment conscient, on voit les choses, on perçoit les choses. Et quand tu me dis tout serait faux, c'est-à-dire quoi? C'est nous, en projetant notre regard, qui allons donner vie, corps aux choses, c'est Alors, ça? justement, c'est là où on en vient au contrôle mental. Par notre formatage, on va percevoir le monde tel qu'on a été formaté de le percevoir. Un exemple concret. Dans les années 1500, il y a les explorateurs espagnols qui sont arrivés au large d'îles qui étaient situées dans les Caraïbes. Alors, les indigènes, ils ont vu
des dieux blancs débarquaient de la mer. Donc ils ont cru que les dieux sortaient de la mer et tout ça. Et à un moment donné, les chamans ont commencé à voir les bateaux. Et ensuite, les chamans ont dit, bah, ces dieux ne sont pas sortis de la mer, ils sont sortis de bouts de bois géants qui flottaient sur l'océan. Quand les chamans ont commencé à parler de bouts de bois géants qui flottaient sur l'horizon, les gens ont commencé à voir les bateaux, parce que c'était devenu leur réalité consensuelle. Donc, littéralement, avant que les gens, ils n'avaient pas l'habitude de voir des gros bateaux, des grosses caravelles, ils ne les voyaient pas. Ça ne faisait pas partie de leur réalité quand les chamans, donc qui étaient un petit peu les grands prêtres de la société, ont dit que les bateaux pouvaient exister. Ils ont commencé à voir les bateaux. Un autre exemple, c'est des Papous. Donc en Papouasie-Nouvelle-Guinée, dans les années 50, il y avait des missionnaires anglais qui leur montraient des films sur l'hygiène pour les occidentaliser. Occidentalisation, ça veut dire coloniser, ça veut dire, entre parenthèses, détruire le mode de vie traditionnel. Ces indigènes papous, ils n'ont rien remarqué. Tout ce qu'ils ont remarqué, c'est une poule qui passait dans le champ de la caméra. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas habitués à voir des douches, des robinets, des choses comme ça n'existait pas pour eux. Donc, les hypnotiseurs peuvent aussi nous faire voir des choses qui ne sont pas là. Donc, on est dans une illusion totale. Et la première illusion, la première grande illusion qu'on nous inculque et qui devient ensuite réalité, enfin réalité dans le film où on est, c'est l'illusion de mort. L'illusion de mort. L'illusion de mort. Ça, c'est le premier programme de contrôle mental que les parents inculquent à leurs enfants dès qu'ils sont petits. Pourquoi? Bébé sort du ventre de la maman. Tout va bien et tout, puis après les parents vont lui dire: Ah, ben tu vois Pépé, Pépé il est très vieux, Pépé il marche avec une canne, il est très vieux. Ah oui, après il n'y a plus de Pépé, donc 1 ou 2 ans. Et il est où Pépé? Ah, ben Pépé il est mort, il est parti au ciel. Pourquoi il est parti au ciel? Parce qu'à la fin de la vie, on meurt. C'est comme ça. Après l'enfant dit: Mais pourquoi on meurt? Mais c'est comme ça. On doit mourir, ça c'est très mauvais de dire ça, parce que qu'est-ce qui se passe? Quand les parents disent ça à l'enfant, ils déclenchent dans le subconscient le programme de mort qui va déclencher les gènes du vieillissement et ça va déclencher le processus de mort. Ensuite, la programmation est renforcée par l'école. Quand les enfants sont à l'école, l'instituteur, l'institutrice vont lui dire, l'instituteur, l'institutrice vont dire aux enfants, à la fin de la vie, il y a la mort, à la fin de la vie, on va mourir. Donc le programme est renforcé de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Ensuite, c'est renforcé tout au long de notre vie. Ensuite, quand quelqu'un a 20 ans, ah ben tu commences à vieillir, tu as un cheveu blanc, un cheveu blanc. Et de fil en aiguille, c'est le programme de la mort qui est renforcé de plus en plus. Ça, c'est la première illusion. Donc. Un programme de la mort, c'est-à-dire quoi? C'est une espèce de quoi? De compte à rebours qui s'enclenche? Exactement. Le subconscient est programmé à mourir, le subconscient est très connecté à l'ADN, le subconscient agit sur l'ADN et les gènes de mort se déclenchent. Et les gens peuvent très souvent se programmer leur mort. Il y a beaucoup de gens, par exemple, qui disent, qui sont en parfaite santé. J'ai eu deux, trois cas dans mon entourage, des gens en parfaite santé, ils partent à la retraite et ils disent: Moi, quand je serai à la retraite, j'ai pas envie de vivre. Je vais mourir après la retraite. Il meurt 1 mois, 2 mois après la retraite, comme si il se déclenchait un programme. Après, un membre de ma famille avait dit: Après 80 ans, on n'est plus rien. Alors que c'était quelqu'un en parfaite santé, une dame en parfaite santé qui faisait même de la trottinette et tout ça. Le jour de ses 80 ans, je dis bien le jour de ses 80 ans. Elle a dit, à partir de 80 ans, on est vieux. On est vieux, on est fini. Elle a développé un cancer de l'ovaire et elle a développé une maladie d'Alzheimer en l'espace de 1 an. Elle est morte peu de temps après. Comme s'il y avait quelque chose, comme si quelque chose se déclenchait. Les gens se programment littéralement à mourir. Ça, c'est une chose qu'il faut bien comprendre. C'est pour ça qu'on peut voir des gens, des fois, très jeunes, avec des cheveux blancs,
Alors, il y a d'autres choses aussi, mais moi je dirais pas les cheveux blancs, ça c'est très caricatural, mais il y a des gens qui ont 20 ans, on croirait qu'ils ont 80 ans, parce qu'ils sont littéralement programmés un vieillissement. Ensuite, il y a les gens qui rentrent dans le programme des bons parents, donc ils ont un enfant, ils prennent un coup de vieux parce qu'il faut être vieux pour, ou plus vieux, plus mature pour avoir des parents. Des gens, quand ils deviennent grands-parents et tout, qui sont dynamiques, leur petit enfant naît. Hop, ils se font le programme bon grand-père, bonne grand-mère, et ils prennent un coup de vieux tout de suite. Ça, c'est des programmes littéralement dans la matrice. Eh bien, on va faire une petite pause si la régie, elle est prête. Elle est prête, c'est magnifique. On fait une petite pause, puis on revient juste après. Oui, j'ai vu vos questions. De toute façon, vous savez très bien qu'on va les poser après. Donc voilà, bah, la régie, elle est prête. À vous, la régie. Ok, de retour sur la Libre Antenne, saison 2, toujours avec Paul Ponceau. Alors, voilà, beaucoup de réactions. Alors bon, ils sont un peu d'humeur trolleuse, hein, tu vois, sur certains commentaires. Mais bon, ben bah, voilà, hein, c'est. Alors, il y a toujours la question, effectivement, les reptiliens, c'est un sujet qui est hautement, à chaque fois, on va dire, décrédibilisé. Parce qu'on dit, il y a une espèce d'impossibilité. C'est quoi? C'est la dissonance cognitive? Parce que c'est vrai, bon, on est prêt à entendre beaucoup de choses, mais dès qu'on nous dit, bah oui, il y a un monde gouverné par des entités interdimensionnelles reptiliennes. Bon, on le voit dans certaines fictions, on va dire, hollywoodiennes. Hein, je pense à diverses séries ou divers films, mais entre autres une série même comme The Fringe, qui reprend un peu les concepts d'entités extradimensionnelles qui traversent comme ça les passages. D'ailleurs, dans le film, il y a une espèce de porte comme ça entre. Ouais, des programmations prédictives, des choses comme ça. Alors déjà, ce que je veux vraiment dire pour les auditeurs de Meta TV, c'est que ce que je donne, c'est tout simplement de l'information, c'est à prendre ou à laisser. Mais de toute façon, que ça soit pris ou laissé, la vérité est la vérité, mais chacun en fait ce qu'il veut. C'est pas à moi de dire ce que les gens doivent prendre ou pas prendre. Puis voilà, c'est ça. Alors, pour ce qui est des reptiliens, c'est déjà une constante. Il y a cette notion de reptilien, comme on a dit, qui revient constamment. Et beaucoup de gens qui ont été, par exemple, victimes de rituels sataniques, qui ont eu des contacts, des rencontres rapprochées avec des entités extraterrestres, décrivent cette forme reptilienne, reptoïde, de type reptilien, de type gris et tout ça. Donc c'est une constante qui revient constamment. Même le démon dans l'Antiquité était représenté comme des serpents, les djinns aussi Oui, étaient souvent, représentés ouais. comme des serpents. Il y a une peur du serpent qui est universelle chez tous les êtres. Et ça s'explique pas par le fait que le serpent soit un animal venimeux, puisque même des serpents non venimeux créent une peur chez tous les mammifères. Il y a même un éléphant, quand il voit un serpent, il va s'arrêter au milieu du chemin. Les humains, il y a une peur du serpent qui est universelle. Donc ça réveille certaines mémoires, certaines choses en nous. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui nous ont génétiquement modifiés. Et c'est quoi pourquoi on appelle là justement le cerveau reptilien? Parce que ça a un rapport? C'est ça. C'est le cerveau qui est basé sur la peur, sur l'agression, sur l'agressivité, sur la domination de l'autre. C'est le cerveau qui contrôle la plupart de nos émotions. Et c'est celui-là qui interagit beaucoup en ce moment. C'est pour ça qu'il y a cette ambiance dans la société, un peu Exactement. C'est de le. bataille. Alors en fait, c'est le cerveau reptilien et le cerveau gauche qui sont complètement programmés pour être surexprimés, alors que le cerveau droit, le néocortex, donc le cerveau qui nous donne notre humanité, qui est le cerveau de l'amour, le cerveau de la gentillesse, le cerveau du bonheur, le cerveau de l'empathie, tout est fait dans la société pour déprogrammer notre cerveau droit. Par exemple, le système scolaire va introduire un esprit de compétition dès le plus jeune âge, où il faut écraser l'autre. Tout à Oui, fait, ouais. par exemple, si quelqu'un a des capacités artistiques, il va être considéré comme un nul, il va être mis à l'écart parce qu'il n'est pas bon en maths, pas bon en littérature et tout ça. Et ça va être fait pour littéralement casser les gens qui ont le cerveau reptilien droit, qui est plus développé que le gauche. Et ça va être fait aussi pour provoquer un développement beaucoup plus important du cerveau gauche par rapport au cerveau droit. Donc,
On en vient justement à l'autre grand contrôle mental de la société, les trois grands contrôles mentaux de la société. Eh ben, c'est l'éducation, la science et la religion. Alors, Beau programme, ouais. déjà la religion, alors basiquement, toutes les religions, quelles qu'elles soient, sont basées sur la religion babylonienne. La religion babylonienne, c'était basée sur quoi? C'était basée sur le culte solaire, le culte de Saturne, Saturne qui est pour diverses raisons associée à Satan, associée au diable, le culte des entités reptiliennes, le Nous, on nous culte accusait des... d'être saturnistes à bon. C'est pour ça que ça me fait penser. Le culte des entités sans âme aussi, culte des entités reptiliennes, culte des entités sans âme, culte de Sirius. Donc Sirius est associé avec les entités sans âme. Est-ce qu'ils viennent de Sirius? Est-ce qu'il y a une connexion avec Sirius? Toujours est-il que ces entités reptiliennes sont associées avec Sirius. On n'a qu'à voir ça dans la mythologie Dogon au Mali, donc Oui, l'étoile qu'on Dogon. voit partout. Alors, surtout que les Dogons, petite précision, ils avaient découvert qu'il y avait une double Sirius, parce que Sirius, c'est une étoile double, en fait. Même trois Il y Sirius. en a même trois. Il y en a même. Ils avaient découvert qu'il y avait trois étoiles, que c'était un Voilà. système ternaire. Alors que Alors, c'est quelque chose qu'on le sait depuis très qu'on peu le de sait temps. depuis une Hein. quarantaine ou une Oui, cinquantaine voilà. d'années. Donc ça, ils ont eu ces connaissances de quelque part. Et ils vénéraient le dieu créateur du monde, qui était basiquement un crocodile, encore une fois. Alors qu'ils habitaient en plein désert malien où il y a très peu de crocodiles. Même s'il y a quelques populations, il y en a très très peu. Rien de significatif. Oui, donc c'est vrai que et puis, ce mythe de ce dieu-là, on le retrouve dans beaucoup de pays d'Afrique, hein, je le confirme. Ouais, on le retrouve. Après, il y a le culte de la lune, le culte aussi du sacrifice humain, le culte du cannibalisme. On n'a qu'à voir dans la religion chrétienne, symboliquement, les croyants vont boire le sang du Et Christ, manger l'hostie qui est le manger corps, puis l'hostie manger qui est le ceci est corps mon du corps, Christ, buvez ceci est mon sang. Ouais. le culte de la mort. Symboliquement encore dans la religion chrétienne, le Christ n'est jamais représenté comme étant vivant, alors que c'est le symbole de la vie, le symbole de Dieu, il est toujours représenté sur une croix. C'est la religion babylonienne, donc je ne vais pas rentrer là-dedans, mais simplement toutes les religions de tous les pays du monde, que ce soit les religions monothéistes ou polythéistes, que ce soit le christianisme, le judaïsme, l'islam, l'hindouisme, le bouddhisme, sont basées sur des versions édulcorées de la religion babylonienne. Pourquoi? Parce que dans sa forme la plus pure, la religion babylonienne, c'est une religion de mort, c'est une religion satanique, c'est une religion où le sacrifice humain était pratiqué, sacrifice humain qui est encore pratiqué au sommet de certaines sociétés secrètes, au sommet aussi, qui est très pratiqué dans le milieu politique, qui est pratiqué dans le milieu religieux. Et toutes les religions sont des versions édulcorées de la religion babylonienne pour pouvoir vendre ça au peuple, pour pouvoir manipuler le peuple. Alors édulcoré, ça veut dire, par exemple, dans la religion chrétienne, il n'y a pas le sacrifice humain, il y a l'hostie, il y a le prêtre qui va boire le sang du Christ, et c'est mélangé à des faits réels. Le Christ a vraiment existé, c'était quelqu'un qui avait compris les lois de la matrice, qui avait réussi à se reconnecter à la source, qui appliquait la doctrine de l'amour absolu, aimez-vous les uns les autres. Et sa vie a été complètement déformée pour coller au culte solaire, pour pouvoir être vendu au peuple comme une religion, en fait, comme une religion pour contrôler l'esprit des gens. Donc religion, mélange de religion babylonienne et de faits réels Même pour... dans l'islam, parce que dans l'islam, il n'y a pas de représentation. On ne peut pas. Il est interdit de représenter qui Alors, que ce soit, d'ailleurs. l'islam, l'étoile, ça représente Sirius, le croissant, ça représente la lune, culte lunaire, culte de la religion babylonienne. Donc, c'est vraiment toutes les religions. Dans l'hindouisme, il y a aussi la déesse Kali, par exemple, les déesses Kali qui représentent le serpent et tout ça. Alors, les religions, c'est un mélange vraiment de faits réels, de religion babylonienne. Alors, c'est à la fois une prison parce que les gens vont donner leur énergie à la matrice, à un faux dieu, mais pour des personnes, ça donne une ouverture sur la spiritualité, ça donne une ouverture sur le fait qu'il y a quelque chose au-delà de l'humain, et les gens peuvent utiliser les connaissances qu'ils ont en religion pour découvrir la vraie spiritualité et sortir de la matrice. Donc c'est vraiment
à double tranchant. C'est comme la religion New Age, qui est aussi basée sur la religion babylonienne. C'est une grande manipulation, mais quelqu'un qui connaît la religion New Age aura plus de chances de comprendre la vraie spiritualité, quelqu'un qui est complètement dans la matière, métro, boulot, dodo. Alors, religion, donc, c'est un contrôle mental très important. Aujourd'hui, la religion a fait son temps et ils veulent introduire une religion mondiale, qui est basée sur le culte d'un faux sauveur externe, d'où la religion New Age, d'où la religion basée de plus en plus sur les extraterrestres. Ils disent que les extraterrestres sont nos créateurs et tout ça, d'où le fait de vouloir casser toutes les grandes religions pour créer une religion mondiale basée sur le culte d'un faux sauveur externe. Alors, il y a le contrôle mental religieux. Après, il y a le contrôle mental qui est lié à l'éducation. Donc ça, on en a beaucoup parlé. C'est essentiellement, on crée une société luciférienne. Luciférienne dans le sens où il faut écraser les autres. Les gens qui ne sont pas académiques, comme ils disent, ils sont écrasés, mis de côté. Les gens qui sont académiques, qui sont souvent des murs de briques, d'ailleurs, il faut bien dire, il n'y a rien dedans. Par exemple, il y a beaucoup de polytechniciens qui sont absolument stupides, il n'y a rien, aucune spiritualité, mais eux sont mis sur un piédestal et tout ça parce que leur cerveau gauche est plus développé et parce qu'ils écrasent les autres. Donc, le système éducatif crée une société luciférienne, une autre manipulation, une autre forme de contrôle mental, c'est le contrôle mental par la science. Alors là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que 90 à 95% de la science est archi-fausse. Par exemple, la théorie de la relativité, où Einstein disait que la vitesse de la lumière était la limite absolue dans cet univers, lui-même, à la fin de sa vie, faisait des recherches sur la théorie du champ unifié, lui-même disait qu'il y avait des erreurs dans sa théorie de la relativité. Il y a des physiciens qui ont démontré qu'il y a des particules qui vont plus vite que la vitesse de la lumière. Einstein était aussi initié dans la maçonnerie, pardon, la maçonnerie, et dans d'autres sociétés secrètes. Et ces sociétés secrètes vont très souvent vont vendre les normes au peuple, en fait. Elles vont vendre ce qui est possible, ce qui n'est pas possible au peuple, et elles vont utiliser un scientifique pour vendre ça. Alors Einstein avait une certaine intelligence, il avait compris certaines choses, il avait compris qu'il était utilisé, et vers la fin de sa vie, il commençait à avoir carrément des discours spirituels et tout ça. Mais pour la plupart de sa vie, il était utilisé pour vendre la chose que la vitesse de la lumière, c'est la vitesse limite, en gros pour dire qu'on ne voyagera jamais vers les étoiles, alors qu'en fait, le complexe militaro-industriel voyage tout le temps entre les dimensions, voyage tout le temps dans le système solaire et tout ça, parce que la théorie de la relativité est incomplète. Ensuite, un exemple très, très flagrant aussi, c'est la théorie de l'évolution de Charles Darwin. Oui, la fameuse La théorie de théorie l'évolution. de l'évolution de Charles Darwin, c'est quelque chose qui est complètement faux. Il faut savoir que c'est même pas Charles Darwin qui l'a mise au point. Ah bon, C'est qui a son mis ça? grand-père, Erasmus Darwin. Erasmus Darwin, qui faisait partie d'une société secrète qu'on appelle la Société Lunaire, la Lunar Society. C'était une société secrète qui réunissait des scientifiques et qui menait des rituels sataniques les nuits de pleine lune. Donc c'était vraiment quelqu'un de très fréquentable, entre guillemets. Et Erasmus Darwin a créé, littéralement inventé, parce qu'il n'y a aucune base, il a inventé la théorie de la sélection naturelle, la théorie de l'évolution. Simplement, le peuple n'était pas prêt pour être manipulé par la théorie de l'évolution. Ce qui s'est passé, en fait, c'est que Charles Darwin, donc, qui était issu de la famille Darwin et de la famille Wedgwood, qui est une famille grande famille anglaise, qui a des gènes Illuminati. Le petit-fils donc d'Erasmus, c'est lui qui a mis la théorie de son grand-père sur le marché. Pourquoi? Parce que les gens étaient prêts à être manipulés par la théorie de l'évolution. Et que dit la théorie de l'évolution? Eh bien, elle dit, c'est la survie du plus fort. Et la théorie de l'évolution justifie l'eugénisme, justifie les choses les plus abjectes
comme le nazisme. Et il y a eu des expériences qui ont été faites sur des lézards, encore une fois des lézards en Croatie, qui montrent que la théorie de l'évolution, elle n'est absolument pas possible. Pourquoi? Parce que il y a eu deux populations d'une variante de lézard qui ont été placées sur deux îles différentes, une île avec un climat plutôt aride, une île avec un climat plutôt humide. Et les lézards, en quelques générations, sont complètement adaptés ou au climat aride ou au climat humide. C'est des expériences qui ont été publiées en 2005-2006. Et normalement, ça aurait dû se faire sur beaucoup, beaucoup plus de générations, sur 100 ou 200 ans, l'adaptation. Là, elle s'est faite en quelques années. Donc, ça montre que ce n'est pas l'environnement qui sélectionne le lézard, mais le lézard qui s'adapte à l'environnement. Autrement dit, on peut tous s'adapter à notre environnement. Et ce n'est pas l'environnement qui nous choisit, qui nous adapte. Et encore une fois, la théorie de l'évolution est faite pour enlever à l'homme son pouvoir, pour dire que l'environnement fait une pression sur nous alors qu'on peut s'adapter à quasiment n'importe quel environnement. Alors une autre manipulation, c'est la manipulation de la mafia médicale. Alors vous avez vu, je crois, Oui, Claire, c'est vrai. Claire Sevrac, une femme de talent qui a écrit un très très bon livre sur la mafia médicale. Alors simplement, il faut savoir que 80% de la médecine, 90% de la médecine moderne, c'est complètement bidon, c'est basé sur du vent et c'est basé sur une imposture. Et l'imposture, c'est la théorie de Pasteur l'imposteur. Ah oui, alors Pasteur, il est très souvent remis en cause, Ah oui, plus que comme, remis. puisque c'est un peu l'homme qui a porté tout le sens de la médecine sur les microbes et sur le, on va dire, le côté bactéries. Or, beaucoup de médecins remettent en cause que c'est un paradigme qui empêche la médecine d'évoluer. C'est ça. La théorie de Pasteur, basique, la théorie de Pasteur, en fait, c'est tout simplement une affabulation. Pourquoi? Parce que Louis Pasteur avait les bonnes connexions. Il était initié dans la franc-maçonnerie. Il était dans les petits souliers de Napoléon III. Et la France avait besoin d'un chercheur pour faire concurrence à la chimie allemande. Donc Pasteur a été mis sur le marché. Simplement, Pasteur n'a rien découvert du tout. Il a volé beaucoup, beaucoup de ses découvertes à des scientifiques, notamment à Béchamp, notamment aussi à Toussaint et Galtier. Alors, par exemple, Pasteur disait que le vaccin contre, par exemple, même le vaccin contre la rage de Pasteur a été volé à d'autres chercheurs. Et le vaccin contre la rage de Pasteur ne reposait sur aucune base solide. Par exemple, il faut savoir que au moins un des patients que Pasteur a soi-disant soigné de la rage, Joseph Meister, n'était même pas atteint de la rage. Et plusieurs personnes sont mortes à cause des vaccins de Louis Pasteur. Alors il y a eu même une plainte qui a été déposée contre Pasteur d'un petit garçon qui était mort de la rage. Des analyses ont été faites et le garçon était mort de la rage du lapin. Or, la rage du lapin était utilisée dans les vaccins de Pasteur. Il y a le mythe des Russes de Smolensk, donc tous les Russes de Smolensk qui étaient vaccinés contre la rage auraient soi-disant survécu après avoir été mordus par des chiens enragés. En fait, tous ceux qui avaient été vaccinés contre la rage par le vaccin de Pasteur sont morts. Pourquoi? Parce que la vaccinologie repose sur rien. Le vaccin repose sur un microbe qui provoque une maladie et qui se traite par un vaccin. Donc ça rapporte beaucoup, beaucoup d'argent au complexe, au laboratoire pharmaceutique, au cartel pharmaceutique. En réalité, les maladies dépendent du terrain de la personne, de l'état psychique et du terrain de la personne. Et ça, c'est des gens comme Claude Bernard, comme Béchamp aussi, Béchamp qui a fait beaucoup, beaucoup de découvertes, qui avait compris ça. Et ça explique pourquoi dans une population donnée, des gens vont attraper la grippe, d'autres ne vont pas l'attraper alors qu'ils sont tous exposés au même virus. C'est tout simplement à cause du terrain. Simplement, une médecine de terrain fait que le patient va être son propre médecin. Ce n'est pas lucratif pour les laboratoires pharmaceutiques, donc il vaut mieux vendre la médecine pasteurienne. Ensuite, dans les vaccins donc, qui sont issus de Pasteur. Alors, entre parenthèses, beaucoup de gens disent que Pasteur a inventé le vaccin, mais la vaccination a été inventée par les Chinois au Xe siècle qui pratiquaient la variolisation, c'est-à-dire qui faisaient respirer
du pus de personnes qui avaient la variole, qui avaient guéri de variole à des gens pour essayer de faire en sorte qu'ils n'attrapent pas la variole. La vaccination vient des Chinois et pas de Pasteur. Et dans tous les vaccins commercialisés à l'heure actuelle, il y a une présence d'aluminium, de barium, une présence de liquide issu de fœtus avortés, de sérum de veau, de cellules de rein de singe, de virus cancérigènes de singe. Donc, et en plus, les vaccins ne respectent pas les voies naturelles de l'immunité. Donc, les vaccins ne permettent pas de créer une immunisation contre la maladie. D'ailleurs, on le voit avec la rougeole, par exemple. Des gens qui ont été vaccinés contre la rougeole vont avoir des rougeoles parce que les vaccins ne permettent pas de créer une immunité. Ce qui crée une immunité, c'est essentiellement le terrain de la personne. C'est alors que les vaccins détruisent le terrain. Et l'aluminium va notamment agir sur le cerveau, va être neurotoxique et va favoriser la mise sous contrôle mental des gens. D'ailleurs, il y a une composition similaire entre les vaccins et les chemtrails. On reviendra un petit peu plus tard sur les chemtrails. Alors, une autre manipulation de la médecine, c'est par exemple la cancérologie. On dit qu'on guérit un cancer sur deux et tout ça, mais il faut savoir que d'après Laurent Schwartz, qui était un ancien directeur de la des cliniques parisiennes, un directeur de cancérologie, il y a moins de 5% des cancers qui sont guéris par la chimiothérapie, et même dans des cancers comme la maladie de Hodgkin, qui soi-disant se soignent par la chimiothérapie, 40 ou 50% des gens traités pour la maladie de Hodgkin vont mourir à cause des effets secondaires de la chimiothérapie. Et ça, c'est des études tout à fait officielles, des études qui sont publiées dans PubMed et tout ça. Chez les survivants de la maladie de Hodgkin, 40% de la population, 40% des femmes traitées pour la maladie de Hodgkin développeront un cancer du sein dans les 20 ans à venir. Et le cancer du sein n'est pas dû à la maladie, mais est dû au traitement de la maladie. D'accord, ouais, ça, c'est ce qui arrive souvent. Il y a pas mal de réactions, évidemment. On me dit, bah, la polio, le tétanos, c'est dans la tête. Vous confondez peut-être avec une certaine maladie qui sont effectivement psychosomatiques. Bah, c'est vrai que la polio, le tétanos, ça marche ou pas? Alors, Pas parce que du tout. La polio, la polio, par exemple. La polio, la poliomyélite, essentiellement est due à des intoxications par les organophosphorés, à des intoxications par certains métaux lourds. Ce qui a expliqué les pics de poliomyélite dans les années 50 s'explique par l'utilisation du DDT, le DDT qui est un neurotoxique. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est que dans les années 55, ils ont ensuite créé un vaccin contre la polio et pour faire diminuer le nombre de cas de poliomyélite artificiellement, eh ben, ils ont dit qu'une paralysie qui durait plus de 2 jours était un cas de polio avant le vaccin. Quand le vaccin était mis sur le marché, la paralysie devait durer plus d'un mois ou plus de 100 jours. Donc, ils ont fait baisser artificiellement le nombre de cas de poliomyélite. Ensuite, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont changé le nom de la maladie. Par exemple, la poliomyélite dans les années 50 s'appelait poliomyélite. Aujourd'hui, ils appellent ça paralysie flaccide, syndrome de Guillain-Barré, qui est d'ailleurs dû au vaccin. Ils appellent ça virus West Nile aux États-Unis, maladie à entérovirus. Donc ils changent le nom, mais la maladie reste bien là, bien là, bien là. Comme Donc, la variole, par exemple, il y a encore des cas de il y a variole encore des cas de variole. en Afrique, mais ils appellent ça la variole du singe, la monkeypox. D'accord. Et les épidémies, de toute façon, il y a une tendance des épidémies de disparaître d'elles-mêmes. Alors il y a un cas concret, c'est les épidémies de Suède dans les années 50. Dans les années 1550, en Angleterre et dans le nord de la France, Ouais. c'était des fièvres où les gens se mettaient à suer, où ils avaient des hémorragies et où ils mouraient en quelques jours. Alors, on voyait très bien que c'était une maladie de terrain. Elle frappait essentiellement les gens de classe aisée. Les pauvres étaient moins touchés. Donc là, on voit très bien qu'il y avait quelque chose dans le terrain qui favorisait la maladie. Anne Boleyn, la reine d'Angleterre, femme de Henri VIII a été victime de cette maladie Ouais. et elle en a survécu. Et puis sans vaccin, sans rien, la Suède a disparu pour ne jamais revenir. Il y a un autre exemple plus proche de nous, c'est l'encéphalite épidémique. Dans les années 1920, plusieurs millions de personnes ont été atteintes d'encéphalite à travers le monde. Ces personnes
sont ensuite tombés dans des états de coma et ces encéphalites touchaient des régions entières. Ça se propageait parmi la population. Il y a eu un film qui a été fait d'ailleurs avec le comédien génial qui est décédé, Robin Williams, qui s'appelle Awakenings, le réveil, qui parle de ces patients qui étaient atteints de cette maladie. Et ben c'est pareil, l'encéphalite épidémique, sans qu'on sache pourquoi, s'est arrêtée quelques années après, sans vaccin, sans rien. Donc Les c'est quoi? C'est la épidémies. nature qui fait son chemin? Alors, il y a des épidémies qui sont naturelles, il y a des épidémies qui sont provoquées par l'homme. Et à l'heure actuelle, de plus en plus d'épidémies sont provoquées par l'homme. Par exemple, l'épidémie d'Ebola, qui sévit actuellement en Afrique de l'Ouest, est purement provoquée. C'est une arme bactériologique, donc il y a plusieurs niveaux à ça. Par exemple, au Libéria et en Sierra Leone, les deux pays les plus touchés, les Américains avaient comme par hasard installé des laboratoires de recherche sur les armes bactériologiques, comme par hasard dans ces deux pays-là où ont lieu les épidémies. Alors ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Ebola, c'est tout un rituel pour créer une ambiance de pestilence, pour que les gens recommencent à avoir cette peur de la maladie et tout, pour que les gens acceptent de plus en plus les vaccins. Par exemple, ça n'a pas marché en Europe, mais aux États-Unis, pendant qu'il y avait les cas d'Ebola, donc qui ont été soi-disant importés aux États-Unis en octobre-novembre, il faut savoir que les vaccins contre la grippe ont augmenté de 10 ou 15%. Ensuite, dans l'Ebola, il y a une programmation prédictive pour accepter les OGM, pour accepter le transgénisme, pour accepter le transhumanisme, c'est-à-dire la fusion avec la machine. Alors, un des traitements qui a été très médiatisé contre l'Ebola, c'est le ZMapp. Et le ZMapp est fait à partir de tabac génétiquement modifié et à partir de bactéries génétiquement modifiées. Et tout d'un coup, ça devient la panacée, le remède miracle contre l'Ebola. C'est une programmation prédictive, un rituel de contrôle mental pour que les gens acceptent le transhumanisme, acceptent les OGM comme une bonne chose. Il y a plusieurs niveaux pour voir ça. Et puis il y a aussi le niveau de dépopulation parce qu'ils veulent dépeupler les gens. Mais l'Ebola, c'est une des méthodes de dépopulation parmi beaucoup d'autres. Il y a les chemtrails, il y a les famines provoquées. C'est quoi l'alimentation aussi, on paraît que les L'alimentation, additifs les alimentaires OGM, les additifs alimentaires et tout ça. Par exemple, il faut savoir que le taux de cancer depuis les années 80 a augmenté de 40%. Ça, c'est encore une fois des publications officielle et qu'un enfant sur 400 développera un cancer. Un enfant sur 400 développera un cancer. C'est absolument énorme alors que les cancers de l'enfant étaient inconnus dans les années 50 et 60. Or, qu'est-ce qui a commencé dans les années 50-60? Les campagnes de vaccination massive, les épandages de chemtrails ont commencé dans les années 60-70, l'utilisation massive de pesticides. Donc tout ça, c'est vraiment un plan pour éliminer progressivement l'humain. Mais tous les gouvernements souscrivent ça. Ou alors ils sont quoi? Ils sont tous à la botte, quoi. Il n'y en a pas un qui... Alors, on en vient à un autre contrôle mental de la matrice, c'est de croire que le système travaille pour nous, que le système nous aime. Le système ne nous aime pas. Absolument tous les gouvernements de tous les pays du monde, en tout cas la plupart des gouvernements de la plupart des pays du monde, sont contrôlés par les Illuminati, c'est-à-dire par ces familles hybrides qui possèdent plus de gènes reptiliens que Humain. les autres humains. Et Ouais. tous les membres des gouvernements, de la plupart à nouveau des pays du monde, eh ben, la plupart en tout cas, font partie de sociétés secrètes, genre franc-maçonnerie, genre jésuites, genre même international nazi, qui sont liés aux Illuminati, liés au nouvel ordre mondial. Je vais donner International nazi, c'est... Ah, encore, parce Parce que que tu balances des trucs, je suis obligé d'arrêter. c'est ça. On va y venir parce que ça c'est très important. Globalement, à la fin de la guerre, dans les années 43-44, plusieurs personnes autour d'Hitler, en particulier Martin Bormann, en particulier aussi plusieurs généraux, plusieurs scientifiques nazis, ont vu qu'ils étaient en train de perdre la guerre. Seconde guerre mondiale, donc qui était financée par les Illuminati, par les lignées Windsor, les lignées Rothschild et les lignées Rockefeller, qui Tu finançaient finançais à tous la les fois partis, les alliés les nazis. et les nazis. Après,
Après, un début de la création des nazis, c'était justement de créer une sorte de société secrète qui développerait certaines technologies. Donc, à la fin de la guerre, Martin Bormann et beaucoup d'autres ont commencé à créer une internationale nazie. Alors, en gros, ils ont essaimé dans l'Europe qui était encore occupée et ils ont commencé à créer des sociétés, créer des petites entreprises, créer des centres de recherche avec des locaux des pays pour avoir une sorte d'implantation en Europe. Ensuite, ça a essaimé comme un cancer vers les États-Unis, même vers l'URSS, il faut le savoir aussi, vers la Chine, vers l'Égypte, vers un petit peu tous les pays. Et à la fin de la guerre, il y a eu les procès de Nuremberg. Ceux qui ont été exécutés à Nuremberg, c'était essentiellement des démons, des gens absolument démoniaques, horribles. Mais c'était la face visible des nazis, les gens qui avaient joué leur rôle, en fait, qui avaient joué leur rôle, le rôle voulu par les Illuminati, qui avaient plus de rôle à jouer, ceux-là ont été exécutés. Mais les nazis, ceux qui tiraient vraiment les ficelles, ceux qui avaient accès à la connaissance, ils ont été exfiltrés. Ils ont été exfiltrés vers l'Amérique du Sud, vers l'Amérique du Mais Nord, exfiltré par qui? on va y arriver, vers l'URSS, vers la Chine, La Chine. la Chine, vers la Chine, La Chine maoïste, parce que là on est en pas la, train. pas la Chine, vers le Japon, Ah. pardon, pas, vers le Japon, vers l'Asie, vers aussi les pays arabes, l'Égypte en particulier, mais un petit peu partout dans le monde, comme un cancer qui s'est répandu dans le monde. Qui c'est qui les a exfiltrés? L'armée américaine, la CIA, par l'intermédiaire du projet Paperclip, Paperclip, qui est très connu, et oui, le ce projet Vatican, Paperclip, par oui. l'intermédiaire des Ratlines. Où Voilà. ils sont partis? Ils sont partis en Amérique latine, en particulier en Argentine, au Brésil, en Amérique du Nord, en Russie, en France, ils sont partis un petit peu partout. Et